N'en déplaise à certains, on rencontre parfois l'amour irréversible. Victor et moi, c'est toute une histoire. Je savais déjà que c'était autour de lui que toute ma vie s'articulerait. Comment tu t'appelles ? Sarah. Je sais pas si c'est l'alcool ou si elle est devenue moche pendant que je dormais, mais au réveil, putain, c'était plus la même. Vous avez annoté tout mon texte, là ? Ah oui ? Le problème, c'est qu'elle va me castrer. Et vous savez très bien que j'ai plus beaucoup de couilles. Ah, c'est peut-être ça, le problème. Ce serait possible d'avoir une chambre, s'il vous plaît ? Bon, c'est vrai qu'elle adore faire l'amour avec vous. Ah, fiasco. T'appelles ça une copine, John ? Moi, j'appelle ça une pute. Et vous la connaissez, la nouvelle ? Elle picole, en plus. Moi, votre épouse. J'ai même plus besoin de boire. C'est de la vodka, cette fille. Victor Adelman, bonsoir. Bonsoir. Souris-moi. Alors, pourquoi tu veux ressembler à Anémone Giscard d'Estaing ? Oh, merde ! J'ai choisi la seule femme qui ne peut pas être impressionnée par ce que je fais, parce que j'écris, parce que je pense. Pas trop vite, mon amour. Il est où ? Il arrive, là, madame. Non, mon mari ! Tous en Floride ! Pourquoi tu pleures ? Parce que c'est bien. Si j'étais une femme, c'est exactement comme ça que je m'habillerais pour aller retrouver quelqu'un. Moi, si j'étais un homme, c'est exactement comme ça que j'agirais pour que ma femme se tire. J'aime bien tout ce qu'elle dit, le regard qu'elle pose sur tous les gens, les filles. Victor!